A prolific publisher and exhibition organizer with a razor-sharp comprehension of the graphic arts, Delpire has had a defining hand in the careers of many of the master photographers of recent history. The cultural services of the French Embassy, in collaboration with Aperture Gallery, the gallery at Hermès, and La Maison Française of New York University, present Delpire and Company, an exhibition featuring a half-century of achievement in the life and career of visionary French publisher, editor, and curator Robert Delpire. I guess I love the fact that you can't categorize him. I love how eclectic he is. He never says, I am a photography person, or I am a graphic design person. He's a person of culture. He's a person of words, and he's like a Renaissance man. You look at the show has everything. You know, you have advertising over there, you have magazines all over the place, you have social issues and Amnesty International and Médecins Sans Frontières, you have video and movies, and you have exhibitions, and you have extraordinary books, either by the best photographers ever, or on subjects that are important to our times. Il a été un précurseur d'une certaine manière, puisqu'il a commencé dans les années 50 à montrer des photographies, alors que les gens ne s'intéressaient pas tellement à la photographie à ce moment-là. Neuf, vous connaissez l'histoire, il était à la faculté de médecine, ils ont demandé une petite revue pour relater les événements de la faculté. Et il a dit, moi je veux bien m'en occuper, il avait 20 ans ou 22 ans, mais à condition de faire une revue de luxe. Et on lui a dit, mais comment tu vas faire une revue de luxe? Et il a dit, ben, je vais demander au laboratoire de nous financer. C'était le début de la publicité. Et il est allé voir les gens qu'il admirait, que ce soit Sartre, Cartier-Bresson, Brassailles à l'époque. Et à la suite de ça, il a commencé à faire de l'édition et il a fait cette collection qui s'appelle l'Encyclopédie essentielle. C'est sur un sujet, que ce soit le soleil, l'arbre. Il réunissait des documents et il demandait un texte et il faisait un livre. Et puis il a fait beaucoup autour de la photographie. Il était directeur du CNP pendant 14 ans, du Centre National de la Photographie, et c'est là où il a fait tous les photopoches. C'est une monographie de l'histoire de la photographie, faite pour les étudiants, parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment dommage que les gens ne puissent pas s'acheter des livres de photos. Je trouve que c'est une collection magnifique, j'adore, parce qu'elle est abordable et qu'en même temps, elle est vraiment bien faite. C'est un témoin, et son choix témoigne de ses intérêts, de sa curiosité, de ses goûts. Mais c'est ça le travail d'un éditeur. Il dit toujours d'ailleurs qu'il n'existerait pas s'il n'avait pas rencontré les gens qu'il a rencontrés, que ce soit Steinberg dans l'illustration, ou Cartier-Bresson, ou Robert Frank dans la photographie. C'est évident que, je veux dire, c'est un maillon d'une chaîne, finalement, de faire un livre. Mais ça part d'un artiste. Ça part d'un artiste, ou d'un sujet, ou d'une idée, ou d'une collection. Finalement, il a su communiquer son goût à lui, sa vision à lui, son sens des choses, son éclectisme, la possibilité d'expression qu'il y avait dans différents registres, aussi bien que dans différents médiums, parce que l'illustration et la photographie, c'est pas pareil, la peinture, c'est pas pareil. Il a vraiment une œuvre. Ça me paraît une évidence parce que ça fait 40 ans que je le connais et que je vis avec lui, mais je trouve qu'il est formidable.